Alors Isabelle, avec vous, on va évidemment parler du CIPAM. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez rappeler ce qu'est le CIPAM ? Alors le CIPAM, c'est le refuge animalier du Mantois. Il est situé à Buchelet et il recueille chiens et chats abandonnés. Et parfois d'autres animaux plus exotiques, mais rarement. Généralement, on reste dans le chien et les chats. Combien de chiens et de chats vous hébergez au CIPAM ? Alors en moyenne, nous avons 50 chiens, une cinquantaine de chiens, une quarantaine de chats. En ce moment, un peu moins de chiens, un peu plus de chats. Il faut savoir que la capacité de la chatterie, c'est plutôt 30-35, donc il y a souvent une surpopulation de chats. Évidemment, l'adoption, il faut le répéter, c'est un acte réfléchi, ça ne doit pas être un acte impulsif. Absolument, l'adoption c'est un acte réfléchi. L'adoption c'est surtout fonction de votre mode de vie en fait. Et souvent les gens se trompent, par exemple des personnes qui travaillent toute la journée, qui veulent adopter un jeune chien très actif. Bon, c'est une erreur, ça nous paraît évident, mais ça arrive souvent. Donc bien réfléchir à son mode de vie et puis avoir de la patience, c'est ce que je conseille toujours. Parce que les chiens qui sortent du refuge, ils sont souvent stressés, ils ont souvent un passé difficile. Donc il faut un minimum de patience, il ne faut pas les ramener au bout de 24 heures ou de 48 heures. Parce qu'il y a un petit pipi ou que ça ne va pas, parce qu'ils aboient, il faut quand même essayer d'être patient. Il y a vraiment un temps d'adaptation pour des chiens qui sortent d'un refuge ? Oui, je pense que c'est différent des chiens d'élevage. Je pense qu'ils ont du mal à croire au début au fait qu'ils ont enfin une maison ou une nouvelle maison, donc ils sont un peu sur la méfiance. Et après, on les sent se détendre. Enfin, tous les témoignages qu'on a coïncident pour dire qu'au bout d'un certain temps, ils se détendent, ils se relâchent et ils changent même physiquement. Nous, on voit les gens qui nous ramènent des chiens adoptés. Ils sont parfois presque méconnaissables, tellement ils ont changé. Quel conseil vous pourriez donner à quelqu'un qui songe à adopter un chien ? Bien réfléchir, venir nous voir plusieurs fois, faire le tour des bâtiments, des parcs. Et souvent, les gens fonctionnent au coup de cœur, mais même avec un coup de cœur, je pense que c'est bien de revenir plusieurs fois au refuge, de demander à sortir le chien avec un bénévole ou un employé, et puis de voir si ça fonctionne. Alors, si l'on souhaite devenir bénévole ou bien encore famille d'accueil pour le CIPAM, comment est-ce qu'on peut faire ? Alors, bénévoles, bien sûr, nous recrutons des bénévoles. Il faut nous écrire ou passer par le site ou par Facebook ou nous envoyer un mail. On vous fera une petite formation. Il faudra choisir si vous voulez être bénévole chien ou chat parce que c'est quand même très différent. Ce n'est pas le même boulot. Les chats, c'est le matin, les chiens, c'est l'après-midi. Et puis, ce n'est pas le même travail. Et c'est difficile de faire les deux. Il y a des personnes qui pensent, oh, je vais faire les deux, chien et chat. C'est quand même assez difficile et c'est assez rare. Qu'on ait des bénévoles mixtes. Et puis, voilà. Et puis après, je fais une petite formation pour les chiens. Les bénévoles chats font des formations pour le travail avec les chats. Et puis, voilà. Et puis après, il faut venir régulièrement quand même. Si on veut être bénévole, il faut s'engager sur une base de régularité. Il ne faut pas venir une fois tous les 3 mois, quoi. Mais on peut venir 2 fois par mois, c'est déjà pas mal. Vous recherchez également des familles d'accueil ? Oui, alors nous avons des familles d'accueil pour les chats, donc ça se passe pas trop mal, mais nous n'avons aucune famille d'accueil chien, et ça c'est une lacune qu'on aimerait bien combler. Alors, est-ce que vous pouvez rappeler le principe de la famille d'accueil ? Alors la famille d'accueil, c'est une famille qui prend un chien ou un chat pour un temps donné, soit un chat ou un chien malade qui a besoin de soins ou qui a été blessé, soit des chatons, quand c'est la saison, hélas, des chatons, et on en recueille des dizaines. Et donc les frais sont pris en charge par le refuge, les frais de nourriture et le vétérinaire. Et ensuite, donc, au bout d'une période donnée, le chat ou le chien à adopter revient au refuge. Donc c'est un peu difficile peut-être aussi pour les familles après de se séparer du chien. Il faut le savoir au départ que c'est momentané. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.